ce livre, c'est une déclaration d'amour, en fait. Une déclaration d'amour aux montagnes, qui sont ces cathédrales de la terre, comme disait l'écrivain anglais John Ruskin, ces grandes vagues immobiles à l'horizon. Et puis surtout, c'est une déclaration d'amour aux hommes et aux femmes qui s'y sont aventurés à leurs risques et périls, qui ont laissé leur empreinte de pas, qui ont consacré leur passion et parfois qui ont laissé leur vie même. Et puis c'est aussi une invitation au voyage, parce que la montagne, ça n'est pas que l'alpinisme, c'est aussi la montagne de ceux qui vont en randonnée, à pied, à ski, en raquette, c'est aussi les sports d'eau vive, c'est aussi simplement la beauté de la nature. Donc j'invite le lecteur à aller se promener, à rêver comme un enfant devant ces montagnes qui ressuscitent toujours l'enfant qui est au fond de nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnages qui ont marqué l'histoire de la montagne, à commencer par le duc des Abruzzes, mais aussi l'empereur Adrien, qui est peut-être l'ancêtre des alpinistes, puisqu'il a gravi l'Etna de nuit uniquement pour contempler le matin le lever du soleil. Et puis il y a bien sûr tous les grands alpinistes du 19e et du 20e siècle, qu'ils soient anglais, français, italiens, suisses, et ceux d'aujourd'hui qui sont encore là, qui sont vivants, comme Pierre Mazeaud, qui est, je l'appelle mon grand frère, qui m'a tout appris en montagne, ou encore le sprinteur de l'Everest, un français encore, Marc Battard, qui est un type absolument extraordinaire, qui a le record de vitesse d'ascension de l'Everest. Bon, il y a beaucoup de personnages, il y a des montagnes, bien sûr, il y a des sensations, je parle du danger, je parle de la peur, je parle du froid, je parle des animaux de la montagne aussi, les chamois, les choucas, les marmottes, et puis je parle de musique, de littérature, je suis très musicien, de littérature, de cinéma. Voilà, c'est une promenade à travers tout ce que j'aime et tout ce que les gens aiment dans la montagne.